heureux d'être associé à cet événement et sous la bienveillance de Sainte-Cécile, associer la musique aux autres arts, notamment à la peinture, à l'art du vitrail, à la transparence, à la lumière. Et j'ai choisi quelques pièces de Jean-Sébastien Bach, Frédéric Chopin et Claude Debussy. Voici tout d'abord deux préludes de Jean-Sébastien Bach, extraits du clavier bien tempéré. Finalement, j'ai choisi de commencer tout en douceur sur le premier prélude en do majeur qui est aussi repris par Charles Gounod pour son Ave Maria. Continuer en douceur avec une musique extrêmement romantique et pleine d'expression. Il s'agit d'un nocturne de Frédéric Chopin en ré bémol majeur. C'est le numéro 8. Pour moi, c'est un des plus beaux et je suis heureux de l'associer à ce lieu.
pour terminer, une musique de Claude Debussy, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort, avec une œuvre qui aurait pu être de circonstance. J'avais prévu Les Jardins sous la pluie, je vais quand même les jouer. On les imagine quelques jours auparavant, avec cette merveilleuse pièce, on pourrait dire, d'humeur impressionniste, qui raconte un jardin parisien, comme les Tuileries par exemple, sous une pluie battante.